Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve, on est le mardi, donc je vous avais quitté, on était dimanche, et donc du coup lundi, hier on vous a rien filmé parce qu'on n'a rien fait avec nos chevaux, du coup il n'y avait rien de forcément très très intéressant à vous montrer, puisque donc en début d'après-midi, il y avait une balade d'organiser, du coup on a aidé à préparer les chevaux, voilà, préparer le matériel, à sortir les chevaux du pré, etc. Ensuite, on a, une fois que les gens sont partis en balade, on a déchargé tout un camion de foin. Voilà, et ensuite on a Juliette arrive, et ensuite on a, après le foin, bonjour. Et donc après le foin on a fait le manège, c'est ça? Après le foin, ouais, c'est hier. Ça, on a, ouais, balayé, on a balayé le manège parce que c'était un peu sale, et après on a fait la céleri, on a balayé la céleri. Ouais, on a balayé tout ça. Et voilà, et donc après bah, c'était déjà presque 18h. Bah c'était le soir. Ouais, c'était le soir. Du coup voilà, après on a regardé, un moment il y avait deux filles qui travaillaient leurs chevaux à pied, du coup on a regardé ce qu'elles faisaient, parce que c'était intéressant, elles faisaient des appuyés tout ça, donc c'était sympa. Et après on allait voir les chevaux au pré, parce que quand même on les avait pas vus de la journée. On a pris quelques photos que je vous mettrai bah, juste maintenant. Là on est donc mardi matin, donc ce matin on a aidé à faire le poulailler. Ouais, c'est on ça. A réparé le poulailler qui était pourri. Voilà, il était tout cassé, du coup les poules étaient plus dedans, enfin bref, c'était un peu le bordel, du coup on a aidé à refaire le poulailler. Et là du coup on a mangé et on va aller chercher les chevaux pour les travailler un peu, les sortir un peu, parce que bon, quand même ils sont pas venus pour juste manger. S'engraisser. Voilà, donc voilà, donc on va y aller et on vous retrouve tout à l'heure. Allez, venez. Allez, plus vite. Vous séparez plus maintenant. Ça y est, on a récupéré les poneys au pré. Première étape réussie. Bon, ça y est, séance de saut terminée. Ouais. Ça va, et Katana était sage? Ça va, il a été gentil. Ouais, non, ça va, du coup on a enchaîné, enfin vous avez vu en fait, on a enchaîné. Oui, hein. Voilà, ça va. Hein. On avait mis un double et un obstacle dans la diagonale. Et voilà, et Linda, ça a été... enfin Linda était même un peu trop à fond en fait. À l'inverse, ouais, normalement c'est les opposés. Et voilà, mais non, mais quand on saute, Linda est tout le temps à fond. Hein, c'est bah lui aussi dessus. D'habitude, mais là je pense qu'il a mangé trop d'herbe en fait. Ouais, c'est il ça. Est plus, ça ferait un trop gros bide. Force. Hein. Donc voilà, donc c'est bien cool, donc là on va les déceler, les repenser, les ramener au pré, tout ça, tout ça. Puis après on verra s'il faut finir le poulailler ou s'il y a d'autres choses à faire. Et ce soir normalement on va au resto. Ouais. On sait pas encore où. Si on peut les convaincre d'aller au sushi. On va y arriver. On est trop en manque, ça fait trop longtemps qu'on n'y est pas allé. Non mais... enfin voilà, du coup bah, on vous laisse, on vous dit peut-être à tout à l'heure. Salut. Très bonjour à tous.
aujourd'hui on ce matin, comme vous avez vu, on a s'occupé de graisser tout. On avait commencé hier en fin d'après-midi. Et ensuite on a fini tout à ce matin, donc voilà, les selles sont très intéressantes à filmer. Et là ce matin, comme vous l'avez vu, on a s'occupé de graisser tout ce qu'on va faire. On avait commencé hier l'après-midi, et ensuite on a fini tout ça ce matin, donc voilà, toutes les selles sont propres. Et là cet après-midi, on verra en fonction du temps qu'on a et de comment ce qu'on va faire. Là on est en train de remplir les bidons pour pouvoir amener de l'eau à nos chevaux, parce qu'ils sont dans un pré un peu plus loin. Donc voilà, et puis cet après-midi on va peut-être essayer de faire une petite balade. On verra en fonction du temps qu'on a et de ce qu'on peut faire. Donc voilà. Bon, du coup, changement de programme, comme vous l'avez vu, on allait chercher les chevaux au pré. Et donc là, on a assisté à une séance de débourrage d'une jeune de 3 ans et demi. Et là, après, on va travailler des chevaux. Donc voilà, donc on nous a confié des chevaux qu'on va aller travailler. Du coup, c'est cool, on va monter à cheval cet après-midi. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Si on peut poser l'appareil au bord du manège, je vous mettrai quelques extraits. Du coup voilà, donc vous aurez eu des petits extraits de la séance, pas beaucoup parce que Laetitia elle veut pas trop être sur internet, mais du coup voilà, j'en ai mis quelques-uns, donc c'était comment dire, un mot pour décrire la séance, compliqué. Ouais, moi j'aurais dit instructif. Ouais, bah différent quoi de ce qu'on fait d'habitude, donc ouais, et puis on se rend compte de choses que en fait on est en pyjama. J'avais pas tilté quoi. Vas-y. C'est pas grave, on filme en pyjama. Et ouais, en fait, on s'est rendu compte des choses. Enfin, genre, moi, tu vois, elle m'a dit que j'avais la main un peu dure. Ouais, c'est le truc qu'on m'avait jamais dit en club, que je m'étais jamais rendu compte, que bah, avec Linda, je me rendais pas compte parce que forcément j'étais toute seule. Et que ouais, quand j'ai repris des cours, enfin, personne m'avait jamais dit ça, quoi. Et du coup. C'est pareil, j'ai une position qui va pas trop, quoi. Et c'est pareil, on me l'a jamais dit. Ouais, du coup, voilà, ça remet plein de choses en question. Et c'est bien, quoi. Ouais, voilà, ça amène des pistes de travail. Ouais, c'est ça. On va pouvoir bosser avec nos chevaux et qu'on a du boulot devant nous. Beaucoup. Non mais c'est vrai, tu vois, quand elle m'a dit que j'avais tout le temps le contact trop constant et que j'avais trop de mains, bah en fait c'est, enfin, je me rends compte qu'avec Linda, quand j'essaye de l'arrêter, on a un peu de mal sur l'arrêt, et c'est vrai que bah, je me rends compte que maintenant que j'y pense, je suis vraiment, enfin, j'ai tout le temps le contact pour l'arrêter, c'est vrai que je fais pas discontinu quoi. Il faudrait que j'essaye ça quoi. Ouais, mais on a beaucoup de pistes de boulot. Ouais, du coup il y a beaucoup de choses à revoir et à travailler. Ouais. Beaucoup de travail. On va revenir chez nous, on va plus rien comprendre. C'est ça. On va travailler différemment. Ouais, c'est ça. On va faire plein de trucs nouveaux. Donc voilà, non mais c'est cool, du coup ça permet de, bah, de voir vraiment nos défauts quoi, ouais. Et de voir ce qui est amélioré. C'est ça. Donc c'est bien, ouais. Prendre un cours de temps en temps. Ouais, non mais c'est ça, on aura eu deux cours dans la semaine. Ouais, c'est bien. Du coup c'est pas mal parce que ça fait, moi ça fait trois ans que j'avais pas pris de cours. Ouais, c'est pareil, moi ça doit faire 3 ans, ouais. 3-4 ans. Voilà, et quand j'en avais pris c'était classique, reine allemande, tout ça, donc c'était pas non plus la même chose. Ça change un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, donc sur ces bonnes paroles, nous allons vous laisser parce qu'il est tard, enfin il est tard, pas tant que ça, mais... On a sommeil, on est fatigué. Ouais, voilà, on est fatigué de la journée, donc on va bientôt dormir. Donc voilà, on vous dit à demain, on sait pas trop ce qu'on va faire demain, on ira voir nos chevaux en tout cas, on verra ce qu'on fait, si on a le temps de... Ouais, voilà, on aimerait bien aller se balader si on a le temps, parce qu'on repart du coup vendredi soir, donc dans 2 jours, donc du coup, en pas si longtemps que ça. Donc voilà, donc sur ce, on vous dit bonne nuit, parce que nous on va se coucher, et on vous dit à bientôt, salut !